Bonjour, bienvenue, nouvelle émission de Tête à Clash avec quatre invités. Enfin, vous voyez, il n'y en a que trois pour le moment, mais je vais vous expliquer. Trois sujets, ça c'est comme d'habitude, et un caricaturiste. Alors, les quatre invités moins un, c'est Cyril Benassar, c'est Tariq Dali, c'est Jacques Georges, et la chaise vide, c'est Lou Vialet qui va arriver, sans doute après le deuxième sujet, il y a eu des problèmes de transport. Ça a à voir avec le premier sujet sur les grandes grèves. Donc les sujets, ben voilà, c'est la grande grève, ses suites, deuxième journée et ce qui va suivre. Et puis on va parler des chiffres qui sont très très divergents, ça m'a quand même beaucoup interpellé. Deuxième sujet, c'est l'Ukraine et l'escalade dans ce que fournit l'Occident à l'Ukraine pour se battre contre la Russie, quels sont les risques. Et le troisième sujet, c'est passé majoritairement au-dessous des radars, mais ça m'a beaucoup interrogé. C'est un sondage de l'IFOP sur les croyances des jeunes, particulièrement les jeunes utilisateurs de TikTok, avec des choses autour de la Terre est plate et on n'a pas marché sur la Lune. Bien sûr, on va revenir là-dessus. Allez, et puis, on a un caricaturiste qui est sanglantissime, et c'est aussi pour ça qu'on l'aime, sans parler de son talent incroyable, c'est Ignace, et il va nous dessiner, nous charcuter, nous et les sujets, pendant toute l'émission, on le retrouvera à la fin, comme d'habitude. Allez, on se retrouve tout de suite pour le premier sujet. Allez, le premier sujet, c'est les grandes grèves contre la réforme des retraites. Vient de s'achever la deuxième manifestation, sont annoncées deux autres manifestations. Je vous dis ça pour vous préparer, 7 et 11 mardi et 11 samedi février, avec éventuellement la possibilité de grève à répétition, de grève générale. Tout ça va se dessiner dans les jours qui viennent. Donc le sujet est la réforme des retraites, sa suite, mais je voudrais qu'on commence par les chiffres et les divergences très importantes en France, plus de 2 millions d'après les syndicats, environ 1 million d'après les préfectures régionales, on va dire le gouvernement, le ministère de l'Intérieur, et surtout à Paris, 500 000 d'après la CGT, 80 et quelques mille d'après la préfecture, 50 et quelques mille d'après un cabinet indépendant qui s'appelle Occurrence. Et je voudrais qu'on s'arrête quelques minutes sur ce sujet. Qui prend la main, messieurs? Tariq. Je viens de dire trois mots. Bon, c'est toujours comme ça, c'est-à-dire que les syndicats jouent de la gonflette. À ce point-là ? Jouent de la gonflette et donnent des chiffres. Alors effectivement, j'imagine que la CGT, ayant vu que le mouvement prenait de l'ampleur, elle s'est dit, ben, pourquoi pas, on va en rajouter. Donc ils en ont rajouté sur le chiffre qu'ils avaient donné pour la précédente manif. Oui. Mais moi, j'ai tendance quand même à croire le chiffre des policiers pour une raison toute simple que je vais vous expliquer. Un jour, je suis allé à manif contre le mariage pour tous et j'avais vu des chiffres. Je sais comment calculent les policiers. Mmh. Ils prennent une image, ils prennent le mètre carré, combien d'individus au mètre carré ou sur 10 mètres carrés, ils multiplient par la surface, etc. Sachant qu'ils ont eu également des gens pour compter. Voilà. Alors je me suis amusé à le faire sur une manif et je suis tombé à grosso modo sur le chiffre des flics. Ah oui. Voilà. D'accord. Donc si vous voulez, alors le cabinet Occurrence est un petit peu plus faible que celui des policiers. Mais Occurrence en fait, ils mettent une caméra avec une ligne, et c'est compté automatiquement d'un point à un autre, qui est un point de passage obligé. – Donc voilà. Si vous voulez, moi je fais confiance aux chiffres des policiers ou d'Occurrence. Ce qui m'a beaucoup fait amuser en revanche, c'est que maintenant les policiers additionnent les chiffres, ce qui fait qu'on est arrivé hier soir à nous dire qu'il y a 1 272 000 manifestants. Oui. Moi je veux bien qu'il y en ait 1 272 000, mais s'il y en a un qui me dit qu'il y en a 1 271 000, je serais assez porté à croire aussi. Donc voilà, soyons sérieux. Mais bon, la CGT fait de la gonflette, mais ça a toujours été. Franchement, c'est Jacques, pas ça le sujet qui me préoccupe. Rien à dire là-dessus. Rien à dire là-dessus. Moi non plus sur les chiffres, pas tellement. C'était surtout sur le... Eh ben on enchaîne. Oui. Allez-y. Sur le fond du sujet. Sur le fond du sujet. Et encore pas tellement sur le fond du débat qui est le système de retraite. Est-ce qu'il faut le réformer et comment? Parce que ça, on entend
toutes sortes d'hypothèses et de propositions. Mais c'est difficile de s'y retrouver. Oui, c'est très difficile de s'y retrouver. On avait un rapport du corps qui disait une chose, et puis le directeur ou le président du même organisme a démenti ces chiffres. Donc on ne sait pas. Mais pour moi, c'est en fait le débat a lieu depuis longtemps, et même il a déjà eu lieu. C'est-à-dire qu'aux dernières élections présidentielles, on a eu au deuxième tour deux candidats qui avaient là-dessus un projet clair. C'était pas le cas sur tous les sujets. Mais Macron annonçait qu'il allait réformer et amener l'âge de départ à la retraite à 65 ans. Pour Marine Le Pen, c'était 40 annuités. Donc à ce moment-là, il y avait un choix clair qui pouvait être fait. Il se trouve que les Français ont élu Macron et que maintenant, les mêmes, je pense à la NUPES en particulier, qui avaient appelé à voter Macron, enfin à battre Marine Le Pen, mais ça revient au même, maintenant viennent contester dans la rue la légitimité d'un gouvernement à ce qu'ils appellent « passer en force ». Mais ça, c'est la règle du jeu, c'est-à-dire que ce sont des mauvais perdants aux élections, des gens qui, un Français sur deux ne se déplace pas aux élections présidentielles, et sur ceux qui votent, moins d'un Français sur deux a voté Marine Le Pen. C'est-à-dire pour le programme qu'aujourd'hui 70% des Français sont censés regretter, vouloir défendre, et puis pour lesquels les gens descendent dans la rue. En gros, les gens de la NUPES ont dit « on a voté pour vous, certes, mais c'était par défaut, c'était pour s'opposer à Marine Le Pen. Donc ça ne vous donne aucun mandat. » Ça, c'est leur problème et leur salade, mais ça n'enlève rien à la légitimité de ce pouvoir. Et moi qui suis opposé à Macron sur tous les sujets, sur celui-ci, je n'ai pas d'avis, franchement, je n'ai pas d'avis. Je ne sais pas sur quel levier il faut baisser, mais je trouve qu'on se plaint sans arrêt de la faiblesse de l'exécutif, du manque d'autorité de l'État. Et puis quand on a un président élu sur un programme clair avec un mandat d'une majorité de Français, on voudrait contester la légitimité. Partir dans des mouvements sociaux interminables, dans des blocages, il y a quelque chose qui ne va pas. Jacques et Tariq. Jacques. Oui, moi, Jacques-Georges. Je suis d'accord avec Cyril sur le point suivant, c'est que Macron, il y a beaucoup de raisons de ne pas aimer Macron, mais pas celle-là, justement. Non seulement j'ai un avis là, fortement positif là-dessus, il faut faire cette réforme. En faveur de la réforme, hein. Bien sûr. Le principe même de la réforme me paraît une évidence. Il suffit de prendre un petit peu de recul et de voir que c'est un débat qui dure depuis des années, qui va encore se prolonger d'ailleurs, parce que la réforme actuelle n'est qu'un pas vers quelque chose de pire. On ne peut pas se rebeller contre la réalité, on ne peut pas se rebeller contre la démographie, ni même contre le bon sens. Et simplement, ce qu'indique l'état des choses dans des autres pays d'Europe. Je crois qu'on ne se rebelle pas une fois encore contre la démographie. Ceci étant dit, j'ai pris le soin de regarder les modalités où on en était de la discussion. Et je dois dire que franchement, ça m'a un peu réconcilié quand même avec le dialogue social. Parce que la réforme telle qu'elle est aujourd'hui dessinée en détail, elle me paraît être quand même très finement, dessinée. Très, 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 beaucoup de bon sens, beaucoup de volonté. Alors, de justice. Des exemples, parce qu'il y a quand même majoritairement des Français qui sont contre, des femmes qui disent ça nous pénalise, et ceux qui ont commencé à travailler à 16-18 ans, c'est injuste. Oui, mais de toute façon, je dirais que la retraite à 64 ans, c'est moins agréable que celle à 62, et ce serait, la retraite à 60, c'est beaucoup plus agréable que la retraite, et ainsi de suite. Il n'y a pas de limite à ça. La limite, elle est économique. Okay, alors, et elle est démographique. Sur comment ça a été bien construit, on va essayer de quand même lui trouver quelque chose. J'ai regardé et j'ai trouvé vraiment qu'il y a eu du bon boulot de fait. Voilà. Les syndicats, qu'on peut critiquer sur bien des plans, ils ont quand même fait un bon boulot également là-dessus parce qu'il y a eu un échange avec le gouvernement, que l'état actuel du projet me paraît d'une grande justesse et d'une grande équité. Voilà, c'est tout. Alors, il y a des tas de raisons, on pourrait détailler ça. Hein. D'abord sur la NUPES, effectivement, elle a fait voter Macron, mais elle a fait plus grave. C'est-à-dire que dimanche dernier, elle a fait élire volontairement un député En Marche supplémentaire contre un député RN. Donc ça supprime une voix contre la loi à laquelle prétendent s'opposer. Donc ça, sur le fond. Et d'ailleurs, vous remarquerez que tout au long de ce débat, en ce moment, on nous dit le gouvernement doit reculer, le gouvernement ceci, le gouvernement cela. Ils ont oublié un tout petit détail, c'est que le gouvernement est minoritaire. Donc s'ils étaient démocrates, ils essaieraient de se battre pour refuser cette loi, pour rejeter cette loi. Sachant qu'il y a une menace d'un 49-3, tout à fait possible. Ah ben, s'ils font le 49-3, on verra après comment ça va se passer. D'accord. Après, on verra qui est dans l'opposition, qui est dans la majorité. Maintenant, vous pensez que c'est l'occasion. Alors ça, c'est un point assez intéressant. C'est-à-dire que c'est l'occasion pour aussi bien le RN que la NUP
Et en, peut-être en parlant de la droite traditionnelle, on va dire. Je voudrais savoir si cette droite est dans la majorité, dans l'opposition. Oui, je suis désolé, mais cette droite a voté les budgets. Elle n'a pas censuré le gouvernement lorsqu'il a présenté le budget en 49.3. Lorsqu'on laisse voter le budget, excusez-moi, on peut toujours dire qu'on est dans l'opposition. Mais quelle proposition pourrait être faite ? Alors, en revanche, sur le fond maintenant, sur le fond de cette réforme, je conteste totalement le fait que je ne suis ni pour ni contre cette réforme pour une raison toute simple, c'est qu'il n'y a rien dedans. On ne parle pas des vrais sujets. Lorsque vous entendez le corps qui vous dit « Oui, effectivement, on sera à l'équilibre, on est toujours à l'équilibre, etc. » Forcément, on sera toujours à l'équilibre aussi longtemps que les cotisations suivront le tonneau des Danaïdes. Donc, ça veut dire que lorsqu'on a lancé ce système, c'est Bismarck qui l'a inventé, bon, très bien, en 1945 à la Libération, on a dit « On va utiliser la répartition. » C'est un système magique qui permet d'avoir de l'argent tout de suite, alors qu'il n'y avait pas un sou pour les retraités. C'est parfait. Sauf que quand il y en a quatre qui payent pour un allocataire, ce n'est pas pareil que lorsqu'il y en a un qui paye pour un allocataire. À force d'augmenter les cotisations, je suis désolé, il y a 40 ans, on donnait 9% des salaires chargés pour les retraites. Aujourd'hui, on est à 14% plus la CSG. Allez. Donc c'est hallucinant. On va continuer comme ça jusqu'à quand ? Donc effectivement, à alourdir le coût du travail, à désindustrialiser la France, il n'y aura jamais de problème. Ça sera toujours à l'équilibre. Le truc maintenant, il faut se poser la question, il y a plusieurs questions. On ne parle jamais de la natalité. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Le gouvernement est en train d'inventer un système pour régulariser des mecs, pour faire venir des immigrés en plus. Ouais. Mais le jour où les immigrés... C'est moins pire que tous les autres pays européens. Mais le jour où les immigrés diront « Ah non, non, on ne veut plus payer les retraites pour des gens qui ne sont ni nos parents ni nos grands-parents », ça s'appelle la pyramide de Ponzi. Donc de toute façon, il faut poser les vraies questions. Personne ne choisit de payer la retraite ou pas, puisque c'est dans les bulletins de salaire. C'est la capitalisation qui n'est pas dans les bulletins de salaire. Fiscales, etc., et des choses comme ça, ça existe. Bon, donc tant qu'on n'aura pas posé les vraies questions, il y a trois questions. La première, c'est la démographie, la natalité. Mais ça ne suffira pas. La deuxième, c'est effectivement, il va falloir décorréler au moins partiellement les retraites de la démographie. Donc, il faut instaurer de la capitalisation. Je rappelle qu'il y a 25 ans, en 1940... un peu plus de capital. Absolument. Il y a 25 ans, on a fait voter une loi qui s'appelle la loi Thomas. Elle n'a jamais été appliquée. On peut la réactiver. Et troisième question, lorsque le corps nous parle des déficits dont il parle, il ne parle jamais des 30 milliards d'euros que les contribuables allongent chaque année pour payer les retraites des fonctionnaires. Il n'y a pas de caisse de retraite de fonctionnaires. Est-ce qu'on va poser cette question ? Alors, quand on aura posé ces questions, je serai ou pour ou contre la réforme. Mais pour l'instant, cette réforme ne m'intéresse pas. Il n'y a rien dedans. Donc, je ne vois pas pourquoi on la voterait. Et je ne vois surtout pas pourquoi les LR vont donner une majorité à ce gouvernement qu'ils prétendent combattre. Alors, attendez. Est-ce que j'ai été clair ? Ok, Cyril. S'ils agissent en politique responsable et plus en politicien, précisément, ils pourraient donner une majorité ponctuellement sur ce sujet-là. Ça ne sert à rien, il va falloir recommencer le cirque dans 4 ans. Non, mais je suis d'accord. Ça, c'est une autre question. Mais sur l'attitude des Républicains, moi, je trouverais tout à fait responsable et porteur d'espoir qu'un groupe politique appuie le gouvernement sur un sujet avec lequel il est d'accord, même s'il le combat sur tous les autres. Oui, vous le combattez sur tous les autres, mais vous lui donnez une victoire qu'il veut symbolique, parce que c'est un chiffon rouge. Cette histoire de 64 ans, c'est du bidon. Elle sera pour la France si c'est une bonne réforme. Non. Si c'est pas une bonne réforme, c'est une autre chose. Là-dedans. Maintenant, je suis assez d'accord avec vous, c'est-à-dire que c'est encore une fois beaucoup de bruit pour rien. Ça n'est pas une grande réforme. On va laisser parler. Ça n'est pas une grande réforme et encore moins une révolution. On ne va pas s'attaquer effectivement au fait qu'on va puiser dans les impôts, toujours ce qui va manquer pour les retraites des fonctionnaires. On s'attaque tout doucement aux régimes spéciaux. On recule l'âge de départ à la retraite, mais doucement aussi. C'est-à-dire qu'on s'ajuste simplement. On ne réforme pas le système. Et pourtant, on a des centaines de milliers de gens dans la rue. Moi, j'ai l'impression, entendre les enquêtes d'opinion qui nous disent 70% des Français sont pour. Effectivement, s'opposent à cette réforme. Effectivement, si on demande aux gens est-ce que vous voulez travailler plus longtemps, la réponse, évidemment, est non. Et cette idée de référendum, ça me paraît complètement stupide. Il faut s'engager sur plus de responsabilités. Et l'engagement, c'était sur un programme, sur un gouvernement pour lequel je n'ai pas voté, mais pour lequel je trouverais normal qu'il fallait preuve aujourd'hui d'autorité pour faire valoir la parole des Français qui l'ont mandaté, c'est-à-dire une majorité. À ceci près que cette autorité va nous coûter 400 millions cette année. C'est-à-dire que le Haut Conseil des retraites est en train de dire que cette réforme
est susceptible de nous rapporter 10 à 12 milliards en 2030, plus dans tard. 7 ans, oui. Mais ça va nous coûter 400 millions cette année, ça tout de suite, parce que en raison des compensations qui sont prévues et justement pour calmer ceux qui s'agitent. Donc moi je veux bien tout ce qu'on on marche sur des œufs, mais voilà. Ça ne sert à rien. On va recommencer. Ah, on continue à creuser le tonneau des Danaïdes. Jacques Georges. Mais oui, parce que le débat s'est déplacé à droite, là. C'est pas facile d'être à gauche aujourd'hui. Je suis avec vous. Enfin, Jacques. Je suis à gauche. Je suis pas à gauche politiquement, évidemment. On ne sait pas. Vous savez que mais non, je voulais simplement dire, je suis d'accord globalement avec ce qui s'est dit. L'important, finalement, je regrette personnellement beaucoup que la première réforme des retraites, c'est-à-dire l'introduction de la capitalisation, ait été un échec, parce que c'est une des voies nécessaires de l'avenir. Ça me paraît une évidence pour tout un tas de raisons qui ne sont pas seulement politiques, qui sont... Juste un point, voilà. La retraite par capitalisation, pour être bien certain d'être compris, c'est la retraite pour laquelle on cotise soi-même pour soi et sa famille, alors qu'actuellement, le système par répartition, on paye pour les générations présentes, et pas pour sa c'est propre une retraite. De Ponzi. Oui, ça. Ben, on paye les intérêts avec. Oui, on paye les intérêts avec l'argent de ceux qui arrivent. La capitalisation et la. On ne faut pas non plus exagérer l'opposition entre capi et répartition. Mais malgré tout, je crois que les pays qui gèrent bien leur système de retraite, comme par exemple la Suisse, ils comportent les deux volets. Voilà. Il faut les deux volets, et pour des raisons purement idéologiques. Le volet capi a été toujours alors que les fonctionnaires ont une partie par absolument, capitalisation. Absolument. C'est assez intéressant, ça, parce que c'est assez peu connu. C'est la seule caisse de retraite des fonctionnaires et elle est par capi. Moi, je suis un préfond, par exemple. C'est un préfond. Je suis un préfond. C'est la retraite des fonctionnaires, hein, pour ceux qui ne sont pas fonctionnaires. C'est une bonne formule, d'ailleurs, préfond. C'est quelque chose qui a été assez bien conçu, assez bien... Bon, c'est une bonne chose. – Oui, mais alors, attention, parce que ici, j'entends régulièrement, et je vois des gens monter sur leur siège, au moins métaphoriquement, en disant, oui, les suppôts, les fonds de pension, les fameux fonds de pension épouvantables, les fonds vautours, fonds de pension, c'est la retraite. Je précise d'ailleurs que les fonds de pension ont aussi une autre utilité à laquelle on ne pense jamais. Vous regardez toutes les sociétés du CAC 40, à l'exception des entreprises familiales, elles sont détenues par des capitaux américains, tout ce que vous voudrez. Et surtout pas des capitaux français, qui sont des fonds de pension. Donc si on avait des fonds de pension en France, en plus, ça permettrait... C'est économique à long terme, c'est vrai. Ce serait de nature à revitaliser l'industrie française. Et on s'est tiré une fois encore, la gauche aidant, une balle dans le pied. C'est une coutume. J'ai regardé le sujet, Cyril, je vous cède la parole, mais j'ai regardé le sujet parce que, en gros, la retraite par répartition telle qu'elle est placée, elle rapporte 1,5%. Tellement c'est prudent. Hein, parce que c'est l'argent qui est collecté est quand même placé. Alors que les fonds de pension, ils progressent de 5% par an. Donc la retraite par capitalisation, c'est quelque chose qui, pour ceux qui en bénéficient, est en train d'augmenter. Hein. Oui, Pour un euro cotisé, effectivement, pour un euro cotisé, vous toucherez deux fois plus. C'est plus nuancé que ça, parce que mais si, ça varie beaucoup avec les cours de bourse. Et bon, donc c'est soumis à pas mal d'aléas quand même. Hein. C'est bien entendu vrai. C'est idéologique, effectivement. Il y a un rejet qui est très idéologique de gens qui ne comprennent pas forcément grand-chose à la façon dont ça fonctionne. Mais je trouve qu'il y a beaucoup d'idéologie derrière tout ça. On nous brandit le chiffre de 60 ans comme si c'était un chiffre rond et que ça devait être une frontière à pas dépasser. On nous parle de défense des acquis sociaux. Il y a des propositions complètement abracadabrantes. On va spolier les riches et puis ça va et ponctionner les dividendes des actionnaires et ça va régler le problème. On a vu où on a fait ça ailleurs, ce que ça a donné. Donc il y a beaucoup d'idéologie. Il y a un vieux fond de lutte des classes qui revient à chaque fois qu'on veut réformer quoi que ce soit. Alors qu'on n'observe même pas, on n'étudie pas les termes de l'équation pour savoir comment pérenniser le système en le rendant plus juste. Non, il y a un rejet idéologique de tout ce qui va être proposé. Et une méconnaissance. Ce sera le mot de la fin. Du domaine économique en général. Il y a quand même une faiblesse de ce côté-là, du côté français, pour des raisons d'ailleurs toujours idéologiques, la même raison. Je pense que la compétence en économie, c'est quand même un préalable
à un raisonnement sain en matière de retraite comme, comme dans d'autres sujets. Ouais. Alors, c'est dommage, là vous êtes en train de m'offrir une liaison fantastique vers le troisième sujet, mais souvenez-vous-en parce que le niveau en économie, le niveau en sciences, on va l'aborder lors du troisième sujet. Cyril, si je peux, la démagogie des partis de gauche sur ces questions est terrible. On entend des responsables politiques du Parti Socialiste ou quoi qui nous proposent des solutions complètement démagogiques sur ces histoires de retraite. Le temps est écoulé, j'aurais pu en mettre une pièce dans le truc, je vais le faire, mais vous n'aurez pas l'occasion de répondre. Quand le RN propose la retraite à 60 ans, si vous qualifiez la gauche de démagogique, j'aimerais bien savoir ce que vous disiez, mais ce sera pour la prochaine fois. Allez, à tout de suite, deuxième sujet. Bonjour. Deuxième sujet. Alors, le deuxième sujet, c'est l'escalade qui a lieu et l'acceptation par l'Europe et les USA des demandes ukrainiennes. Pendant très longtemps, ce n'était pas de canons. Pendant très longtemps, ce n'était pas de chars et c'est en train d'être arrivé. La dernière demande, c'est les avions. Est-ce qu'il faut répondre à ces demandes-là? De quelle manière faut-il y répondre? Est-ce qu'il n'y a pas un risque d'escalade et à un moment ou un autre de réaction extrême de la Russie? Voilà, c'est tous les sujets qu'on va aborder avec ce deuxième sujet. Et entre-temps, Lou Vialley est arrivé, les transports en commun l'ont libéré, et je vais lui céder la parole tout de suite. Lou ? Ah, on commence tout de suite. Allons-y. Vas-y, allons-y. Donc, quelle est la question ? L'idée, c'est... En plus, il n'écoute pas. J'ai envie de dire, on recommence tout et on finit à trois parce que ce n'est pas plus mal. L'histoire, c'est l'Ukraine, c'est l'escalade. Et est-ce qu'il y a un problème avec le fait que maintenant, on ait accepté de livrer des chars et que clairement, les Ukrainiens demandent des avions et que ça va arriver, puisqu'à chaque fois qu'ils ont demandé, on a cédé. Et des missiles. Alors oui, moi, votre terme d'escalade me gêne particulièrement. Pourquoi? Puisque... cette guerre d'invasion, cette guerre d'agression qui a commencé il y a à peu près un an, a commencé par, souvenez-vous, une parole de Vladimir Poutine à la télévision pendant la nuit, en train de menacer le reste du monde du feu nucléaire et de conséquences telles que nous n'aurions jamais connues dans notre histoire si on s'interposait. On s'est interposé en aidant les Ukrainiens, en aidant la guerre de libération du peuple ukrainien et de la nation ukrainienne contre cette nation en armes et impérialiste qu'est la Russie d'aujourd'hui de Vladimir Poutine. Et donc l'escalade, ce qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une guerre conventionnelle à nos frontières. L'escalade, elle a déjà eu lieu. Et ce dont vous parlez, finalement, c'est des arguments qui, moi, me semblent être du côté de Vladimir Poutine, de dire, écoutez, vous, les alliés, vous, celui qui aidez l'Ukraine, arrêtez d'aider l'Ukraine. Mais qu'est-ce qui se passe? Vladimir Poutine, il bluffe, finalement. Qu'est-ce qu'il va faire? Il a fait une bombe atomique en Ukraine? Non. Est-ce qu'il va mettre une bombe atomique sur nous, notre pays? Absolument pas. Et est-ce que nous avons intérêt à ce que cette guerre se stoppe? Est-ce que nous avons intérêt à ce que l'Ukraine soit libérée? Absolument, puisque si l'Ukraine n'est pas libérée, ce sera la victoire de l'impérialisme russe, ce sera le nouvel ordre russe à nos frontières est, et pour en terminer là, ce sera aussi le nouvel ordre russe à notre frontière sud, parce que ce dont on ne parle pas, c'est Wagner à nos frontières, et c'est la déstabilisation russe à notre frontière sud. Donc on a intérêt à stopper la Russie à l'est et au sud. Pour vous. Okay. C'est un étau qui est le même, c'est l'impérialisme russe. Alors, Tariq. Dites là. D'abord, la guerre en Ukraine n'a pas commencé le 24 février 2022, ça fait 8 ans. Depuis la Maïdan, on a installé un gouvernement ouvertement pro-américain qui voulait rentrer dans l'OTAN. C'est aussi l'invasion de la Crimée, c'est tout ça. Exactement. Depuis 8 ans, on envoie des missiles sur la région du Donbass, c'est-à-dire sur l'est de l'Ukraine peuplée de russophones qui demandent à être russes. Ce qui ne justifie pas. Ce qui ne justifie pas, effectivement, l'invasion du 24 février de l'année dernière. Mais à continuer cette escalade, on va aller jusqu'où? Parce que pour l'instant, c'est quoi l'objectif? Les Américains, pendant ce temps-là, vendent leur pétrole à la place des Russes, ils vendent leur gaz à la place des Russes, et pendant ce temps-là, ce sont les Ukrainiens qui meurent, ce ne sont pas les Américains. Donc on en arrive aujourd'hui à des aberrations. La Suède et la Finlande, qui n'ont jamais voulu adhérer à l'OTAN alors qu'elles étaient sous la menace soviétique, aujourd'hui prétendent vouloir adhérer contre une menace russe qui n'existe pas.
La Russie n'a jamais menacé l'Europe. Donc il faut peut-être raison garder. Les faits prouvent le contraire. Et vous savez que la Suède a réinstitué le service militaire. Hein. Oui, ben exactement. C'est-à-dire, ils avaient pas peur de l'Union soviétique. En revanche, ils ont peur de la Russie. Moi, je veux bien. Et tous ceux qui aujourd'hui sont des va-t-en-guerre jusqu'au dernier Ukrainien derrière les Américains sont ceux qui ne se sont jamais opposés à l'impérialisme soviétique. Donc moi, je veux bien tout ce qu'on veut, mais je voudrais qu'on remette un peu l'église au milieu du village. Vous pensez qu'il y a un risque de faire... Parce que Lou disait, en gros, je parle à votre place, hein, Poutine est un bluffeur, il n'a pas d'atout dans son jeu, donc on n'a pas à avoir peur d'un bluffeur. Je ne sais pas si c'est un bluffeur. Ce que je crois, c'est que jusqu'à maintenant, Poutine n'a pas envoyé toute la force militaire qu'il pouvait envoyer pour écraser l'Ukraine sous une tonne de bombes. Ce qui est possible aujourd'hui, c'est qu'effectivement, le jour où il en aura assez de cette escalade, il en aura assez qu'on livre tout ce que demande Monsieur Zelensky, il va peut-être faire la guerre complètement et pas à moitié. Parce que lorsque je vois Monsieur Zelensky qui est en train de dire... qu'il faut interdire le CIO, il s'en prend au CIO, Comité international olympique, parce qu'il veut faire venir des athlètes russes, enfin, il faut arrêter. Il faut arrêter cette folie. Maintenant, il y a des pays où on interdit Dostoïevski, on interdit... Enfin, jusqu'où on va continuer, ouais. Il faut arrêter. Okay. Bon, on arrête comment, Tariq? Je vois Jacques qui se tressonne sur son fauteuil. Il faut calmer M. Zelensky qui a pris la grosse tête, voilà. Il faut lui dire maintenant, ça suffit. Bon. D'ailleurs, je remarque que les Allemands ne sont pas tout à fait enthousiastes à l'idée de livrer des chars. Non plus, hein. Jacques. Bon, là, je dois dire, je suis surpris. D'accord. Parce que je ne connais pas Lou, mais je n'imaginais pas qu'il y ait un représentant du complexe militaro-intellectuel sur ce plateau. Militaro-intellectuel de BHL et Nicolas Tenzer. Parce que c'est exactement le discours maximaliste, incroyable, belliciste. Okay. De la mise en cause de... Je n'ai rien contre ce monsieur, je ne le connais pas. Mais sa position est exactement l'inverse de la mienne. Totalement l'inverse de la mienne. Elle est belliciste. Mais non, il y a déjà... Elle est belliciste et je suis étonné qu'un débat comme ça puisse avoir lieu... à TV Liberté. Mais tant mieux, après tout, ça veut dire qu'on est ouvert. C'est tout l'intérêt. Est-ce que vous êtes un pacifiste et donc vous pensez que l'Ukraine devrait pas se défendre ? Je pense que cette guerre est une guerre fratricide, c'est une guerre stupide, sans enjeu, parce que c'est sans enjeu, véritablement. Je ne crois pas que la Russie soit un danger pour quiconque. Aujourd'hui, la Russie, avec ses 140 millions d'habitants et son PIB égal à celui de l'Italie, je ne pense pas que ce soit une menace pour l'Europe. Hein. Vraiment, vraiment, vraiment pas. Je pense que tout ça est inventé en grande partie et que tout ça bénéficie à on sait à qui. Hein. En tout cas, pas à nous. Les grands perdants, dans tous les cas, c'est nous. Et je pense qu'il faut arrêter... Pourquoi l'Europe serait-elle perdante ? On peut le constater, mais... L'Europe sera perdante, parce que pour mille raisons, de toute façon, même déjà pour des raisons liées à l'énergie, de toute façon, le destin de l'Europe, c'est bien simple. Ou bien c'est le grand continent semi-protectionniste, Paris, Berlin, Moscou et Vladivostok. Mm-hmm. C'est ça la vision long terme, et là on peut exister. Ou bien c'est le contraire, c'est-à-dire c'est l'Europe entre deux blocs, le bloc chinois et le bloc américain de l'autre côté, qui sera toujours perdante parce qu'elle sera sous-compétitive. Ça me paraît évident sur le plan énergétique et ça me paraît évident sur le plan géopolitique aussi. Voilà, c'est tout. Cyril oui, là, et Lou ensuite. Oui. Lou va pouvoir revenir dans la course. Là, vous venez de dire que vous êtes pacifiste et vous vous opposez à monsieur qui serait belliciste. Oui. Belliciste, moi je dirais qu'en l'occurrence, on soutient un régime qui est résistant. Ce n'est pas l'Ukraine qui entretient la guerre et qui l'a voulu et qui l'a cherché. C'est-à-dire que quand on est entraîné. Pas par une invasion et pas par une agression. C'est quand même les Russes qui franchissent une frontière avec des chars pour un accès et maintenant pour faire disparaître l'Ukraine quand on les entend. C'est-à-dire agrandir la Russie purement et simplement. Alors effectivement, l'alternative à ça, c'est comme vous dites le pacifisme. Et le pacifisme, c'est quoi? C'est chercher la paix par tous les moyens. Et tous les moyens, si c'est arrêter le pacifisme européen. Oui, enfin, intra-européen. Si c'est ne pas nous mêler de cette guerre et laisser écraser l'Ukraine. Effectivement, Tariq, mais c'est pas. Tariq, on va laisser. Messieurs. S'il vous plaît, je juge vraiment une incise et je m'adresse à vous qui nous écoutez, qui nous regardez. Vous savez comme moi que quand tout le monde parle, personne n'est efficace. Donc Cyril, Lou, et après je ferai réagir les deux là. Ouais,
Moi, je pense que l'Europe et l'OTAN et l'Occident, plus généralement, a bien fait de livrer des chars, des canons, et qu'il aura intérêt à continuer à ne pas céder au bluff de Poutine, parce que Poutine, si on commence à se fixer une ligne rouge et à dire « nous ne franchirons pas cette ligne-là, nous ne livrerons pas d'avions », c'est fini, on a perdu. Il ira un peu plus loin, et puis après, il ira un peu plus loin que l'Ukraine. Quant à savoir si c'est une menace pour l'Europe, moi, j'ai tendance à entendre les voisins de la Russie, les voisins de l'Union soviétique historique, qui tous sont morts de trouille, se méfient, veulent rejoindre l'OTAN, de la Finlande jusqu'à la Géorgie, en passant par la Pologne. Je veux dire, alors on peut parler de propagande et d'intimidation et de on veut nous faire croire que la Russie, n'empêche qu'eux qui sont leurs voisins, prennent leurs précautions pour ça, donc il faut l'entendre. Quant à Zelensky et au délire de l'autre camp, peut-être qu'il ne faut pas aller jusqu'au bout et écouter Zelensky quand il parle du CIO, il faut s'insurger sur l'histoire de Dostoïevski, évidemment, mais je pense que la question à laquelle il faut répondre, c'est est-ce que c'est une guerre juste et est-ce qu'on est légitime à soutenir les Ukrainiens dans leur résistance ? C'est pas une guerre juste. Maintenant, si on se demande jusqu'où ça va nous mener pour savoir si on s'en mêle, c'est du pacifisme. C'est une guerre mais là, c'est stupide, une forme de lâcheté. C'est une guerre non juste et stupide et masochiste. Bon, ça, c'est tout. Lou Vialet. Alors, Tariq, vous me laissez une minute. Pour les Américains. Tariq, merci beaucoup. Moi, je pense que c'est intéressant. Je pense qu'il y a deux droites irréconciliables, en réalité, sur ce sujet. Et je pense que ce clivage, il est fondamental. Puisque je pense qu'on ne peut pas aller aux élections ni gouverner avec des gens qui pensent comme ceci, qui pensent comme vous, monsieur, qui sont dans une forme d'obscurantisme géopolitique, qui sont dans un refus de la réalité. Non. Et moi, ça me fait peur, en fait, votre genre de réaction. Moi, je trouve ça dangereux. Laissez-moi terminer ma phrase. Je trouve ça dangereux pour nos intérêts continentaux. On a bien vu que depuis le début de sa présidence, Poutine n'a cessé que de s'ingérer au-delà de ses frontières politiques, et là, l'a fait de manière complètement conventionnelle, mais il le fait d'ailleurs aussi à notre frontière sud, hein, parce que moi, je ne vous ai pas entendu parler de Poutine, à notre sud, en Afrique, en essayant de cibler la France, et avec Wagner, qui est en Libye. Oui, c'est notre pays, la France. C'est notre pays, la France. C'est 16 pays. On en parlera juste après. On a un débat sérieux, normalement. J'ai fait deux ouvrages sur l'Afrique, 100 articles sur l'Afrique. On en reparlera si vous voulez. Je pense qu'il y a deux droites irréconciliables, et qu'en effet, on est en train de prendre des chemins totalement différents. Alors, on va peut-être évoquer ça. Est-ce que vous pensez que vos points de vue, qui sont assez différents, sont irréconciliables et font que... Et un collabo. Vous ne pouvez pas aller au pouvoir ensemble ? Non, je pense que c'est des traîtres et des collabos qui menacent nos intérêts nationaux et qui ne voient pas des nations qui sont agressives envers nous-mêmes, envers la France. On est ciblés en Afrique, on est ciblés en Europe. Non. Je remarque quand même... D'ailleurs, moi, je ne suis pas tout à fait sur la même position que notre ami, mais se faire traiter de traîtres et de collabos, je vois bien comment travaillent ces gens-là. C'est-à-dire, ils sont dans la propagande, des États-Unis. Les va-t-en-guerre qui sont à la botte des États-Unis et qui veulent que l'Europe soit le vassal des États-Unis. Ça commence à bien faire. Il y a eu des accords qui ont été signés à Minsk. On ne les a pas respectés. On ne les a pas respectés. On a fait exprès de ne pas les respecter parce que les Américains l'ont demandé. Je persiste à dire que la guerre a commencé en Ukraine en 2014 avec Obama qui a déstabilisé l'Ukraine volontairement. Voilà d'où c'est parti. Maintenant, ça ne justifie évidemment pas l'invasion, mais en revanche, traiter de traîtres et de collabos des gens qui essaient de réfléchir et de dire qu'il n'y a pas d'un côté les bons et d'un côté les méchants, j'en suis stupéfait. Le problème, c'est que ce sont les méthodes de la propagande américaine sans nuance, absolument. Je n'accepte pas déjà de me faire traiter de collabo. Ça, je ne l'accepte pas. Je trouve que c'est blessant. Je trouve que, en plus, c'est absurde. Je dirais, s'il y a un esprit collaborationniste, il n'est pas dans ce sens-là. Il est exactement dans l'autre sens. On peut se retourner le compliment très facilement. C'est vraiment tout à fait intellectuel, hein, comme argument. Bon, d'accord. Très bien. Il me semble que... Mais il est en colère, hein. C'est pas souvent, hein. Non. Mais là-dessus, quand même... Le problème, il a commencé non pas en 2014, mais en 2003 ou 2004 avec la révolution orange. La première révolution. Toujours dans le même sens, toujours avec les mêmes acteurs, toujours avec la même inspiration. Et le résultat, on est en train de le payer maintenant, aujourd'hui, on est divisé. Ceci étant dit, la droite... Il y a eu aussi l'invasion de la Géorgie, Jacques. Oui, absolument. Quand même. Donc il y avait quand même déjà
du côté de Poutine, la volonté d'une forme de reconstitution de l'Empire. Moi, je ne suis pas pro-russe, je ne suis pas pro-Poutine. Poutine, c'est un chef d'État étranger qui défend son pays, et je le respecte à ce titre, mais moi, je ne suis pas russe. Je n'ai pas plaidé ni pour les Russes, ni pour Poutine. J'ai également beaucoup de considération et de respect pour le peuple ukrainien, mais pas pour son chef. Donc tout ça, c'est un combat fratricide. Quand un mort ukrainien arrive, je pleure. Quand c'est un russe, je pleure aussi parce que ce sont des frères, dans les deux cas. Ce sont des frères européens. Et je dirais franchement, quand on verra, il faut toujours voir les choses avec un peu de recul, dans 50 ans, quand on analysera ça, on dira, mais ils se battaient pour quoi exactement? Ils se battaient pour 100 000 km carrés. Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est l'histoire de l'Alsace et la Lorraine. Jamais on aurait dû se battre. Voilà. C'est comme l'Alsace et la Lorraine. D'autres aujourd'hui, on réalise que c'était dérisoire. Et ça l'est aujourd'hui, c'est dérisoire. Écoutez, on ne redira pas les deux affrontements entre la France et l'Allemagne. À ça, l'Alsace et la Lorraine, il y avait aussi une guerre de civilisation entre le nazisme et Hitler, entre Churchill qui disait « Nous défendons la civilisation chrétienne contre ce paganisme du pacotille ». Non, pas en 14, mais maintenant, on ne peut pas… 50 ans en arrière, disent ce sont des frères qui se sont battus, et c'est dommage, et ça n'a servi à rien. 1945, c'est un épisode qui suit 14-18. Le fondamental, c'est 14-18. C'est peut-être un peuple frère, mais qui ne se battent pas pour le même modèle de société. Je veux dire, il y a en Ukraine un rejet du monde de la corruption et de la mafia et de l'autorité. Mais bien sûr, on ne sort pas de ce genre de culture du jour au lendemain, mais c'est un pays qui a montré par les élections qu'il voulait se battre contre, qu'il voulait sortir de ce système poutinien. Et c'est aussi ça que Poutine ne supporte pas. Vous savez très bien que les élections en Ukraine ont donné alternativement le pouvoir à un pro-russe et après à un pro-occidental. Et que c'est Obama en 2014 qui a déstabilisé le pays. Vous le savez très bien. Parce que le président ne lui plaisait pas. C'est-à-dire que je peux vous suivre sur l'idée que les Américains jouent leur jeu, vendent leurs armes, exactement, manipulent comme ils peuvent. Mais pas contre les peuples. Ils répondent à l'appel de liberté de certains peuples et viennent les aider à résister contre les velléités impériales de Poutine. Et c'est en Ukraine aujourd'hui, c'était en Géorgie hier, ce sera ailleurs demain si on ne s'y oppose pas. Donc vous me dites, je n'ai rien ni contre les Russes, ni contre Poutine. Mais comment est-ce que vous arrêtez les velléités impériales de Poutine, si ce n'est par la guerre? Il n'y a pas d'accord de Minsk. Il y a simplement une défense de son territoire qui est, il est encerclé, il est objectivement encerclé depuis l'expansion de l'OTAN vers l'Est, c'est une réalité. 8% des frontières russes sont avec des pays de l'OTAN. 8%. Franchement, les pays qui sont aux frontières de la Russie, qui ne sont pas membres de l'OTAN, ont toutes subi des ingérences ces 20 dernières années. Est-ce qu'on est plus sécure d'être dans l'OTAN quand on est à la frontière de la Russie ou hors de l'OTAN? On est plus sécure quand on est dans l'OTAN. C'est votre réponse. 8%, monsieur. On n'est pas dans l'OTAN, et jamais été menacé. La Finlande a été un dominion russe, monsieur. Je le sais, mon arrière-grand-père a été préfet de Finlande pour la Russie. Il a gouverné la Finlande. C'était un dominion de la Russie, monsieur. Oui, sauf que maintenant... Vous avez remarqué que la Finlande supplie sur ses deux genoux à intégrer l'OTAN. C'est le fruit de la propagande, effectivement. Je suis un peu étonné. C'est pas le fruit des faits, quoi. Tous les fronts ouest de la Russie sont victimes d'un complot. Je suis étonné qu'on s'en prenne à Poutine. C'est le fruit de l'histoire aussi. La Finlande a des raisons de se méfier. Elle a des raisons historiques de se méfier. Ils veulent pas être des satellites de la Russie. À nouveau. Moi, je crois l'important, c'est le long terme. Une fois encore, dans 100 ans, quel est notre intérêt à nous si nous, Européens, nous voulons survivre? C'est d'être alliés en bloc continental avec la Russie. C'est tout. Et puis tout le reste, c'est du secondaire. Pour l'instant, c'est de faire bloc et de construire une Europe militaire. C'est ce qui se passe avec les Allemands qui réarment alors qu'ils ont été complexés. Et je pense que si Poutine a servi à ça, ça aurait été bien pour l'Europe et pour l'avenir du monde libre. C'est pour l'OTAN que ça a servi, mais pas pour l'Europe. Messieurs, on s'arrête, mais je me rends compte à quel point ce débat est riche et à quel point je viens de voir un clivage que je n'avais jamais vu aussi profond finalement se dessiner. Et c'est assez intéressant. Bien entendu, on va s'arrêter là, d'autant qu'on a un troisième sujet.
très intéressant, philosophique, éducation, les réseaux sociaux, vous allez voir. Restez avec nous et on se retrouve dans quelques secondes. A tout de suite. Retrouvez et achetez les livres des invités de TVL dans la boutique de votre chaîne sur tvl.fr. Allez, troisième et dernier sujet. Ce troisième et dernier sujet, c'est une étude faite au profit de la Fondation Jean Jaurès, plutôt placée à gauche, faite par l'IFOP. Qui montre que les jeunes, globalement, et particulièrement les jeunes des réseaux sociaux, ou qui passent du temps sur les réseaux sociaux, et particulièrement les jeunes de TikTok, vous m'avez bien entendu, jeunes, réseaux sociaux, TikTok, montrent une adhésion à des croyances que l'on pensait être parfaitement irrationnelles, et je vais vous en nommer quelques-unes. 30% des utilisateurs de TikTok, jeunes, disent que la Terre est plate. 20% disent que les pyramides ont été construites par des extraterrestres. 50% croient que l'astrologie est une science. Et je pourrais vous parler de l'avortement avec une tisane. Je pourrais vous parler de l'ARN messager, mais je pense que ça va certains vont. Et parmi ceux-là, il y a souvent une proportion bien plus grande des jeunes musulmans. Je vais vous donner juste un exemple. 20% des jeunes utilisateurs de TikTok disent que les hommes n'ont pas marché sur la Lune, mais cette proportion va à 46% pour les jeunes musulmans. Et donc, je voulais savoir ce qui ne va pas. À moins que certains d'entre vous me disent qu'on n'a pas marché sur la Lune et que la Terre est plate. Ça serait intéressant comme débat, mais ça ne va pas être simple. Mais globalement, je voudrais que vous me disiez pourquoi, qu'est-ce qui se passe dans la jeunesse, et puis surtout, est-ce qu'on peut faire quelque chose? Alors, Jacques-Georges. Je vais être très rapide. Jacques-Georges, il va être très rapide. Il y a du meilleur et du pire là-dedans. Okay. Il y a du pire parce que, évidemment, la Terre n'est pas plate. Mais il y a du meilleur aussi, et je trouve qu'il y a beaucoup de meilleur finalement là-dedans, c'est que les jeunes en ont ras-le-bol de la propagande, des lectures conventionnelles, des lectures, je dirais, allant toutes dans le même sens, de la propagande massive, de cette espèce de harcèlement auquel, de vérité contestable auquel on est soumis, et les jeunes finalement se méfient. Ils se méfient, et je trouve que l'attitude de méfiance est saine. Voilà, c'est tout. Alors, ça ne doit pas pour autant, évidemment, conduire systématiquement à prendre le contre-pied d'une vérité scientifique, évidemment. Oui. C'est dommage, mais c'est sain, voilà. OK. Non, très bien. Je vois Lou déjà, je vais voir le clivage qui va se reconstituer. Cyril. La méfiance, oui, enfin, on pourrait dire que le doute, c'est une vertu, et même en science, c'est une vertu. Mais le doute sur des critères rationnels, c'est-à-dire qu'on peut douter de la propagande officielle qui nous est livrée, effectivement, depuis longtemps. On peut douter du fait qu'on entend l'immigration est une chance pour la France, oui, sur des bases rationnelles, parce qu'on voit que ça n'est pas une chance pour la France. Oui. En revanche, la méfiance de toute vérité officielle, y compris de toute vérité scientifique, c'est-à-dire sur laquelle la science se base comme sur un socle et puis avance, et notre civilisation avance aussi sur la raison. Là, c'est inquiétant. Alors effectivement, il y a sûrement l'influence d'Internet, parce que sur Internet, vous trouvez des espèces de documentaires
qui, dans la forme, ne sont pas très différents de ce qui pourrait passer sur la 5, donc, auquel on pourrait accorder du crédit si on n'a aucun esprit critique, et qui vous racontent n'importe quoi. N'importe quoi. Sur, ça peut être les Illuminati, ça peut être l'histoire des pyramides enterrées à l'envers, ou à certains points du globe, dans lesquels les maîtres du monde nous manipulent. Enfin, il y a toutes sortes de choses qui passent. Il y a un aspect baisse du QI là-dedans, baisse du niveau intellectuel, et puis, qui est malheureusement vrai aussi. Il y a une incapacité à faire la différence entre la réalité et la fiction. Les choses se mélangent. Quand vous me parliez des pyramides amenées par des extraterrestres, il y a une série, j'ai oublié le Stargate, qui raconte ça. Donc j'imagine qu'on est dans des esprits adolescents, il y a une espèce de confusion qui se fait entre ce qu'ils ont vu dans une série, puis ce qu'ils ont vu dans des cours, et puis ils ne savent plus trop. Et puis pour les musulmans, les jeunes musulmans, je pense que la part du fait que notre société s'enfonce doucement dans le multiculturalisme, qu'on le reconnaisse ou pas, c'est-à-dire qu'on arrive de plus en plus à reconnaître des choses qui ont rejeté avant, mais comme des différences, qu'on ne peut plus critiquer, on ne peut plus critiquer les croyances. À l'école, c'est extrêmement difficile d'aller sur le terrain des croyances et de dire à un jeune musulman que les révélations de Mahomet, ben non, en fait, on n'est pas aussi sûr que la théorie de la gravité ou je ne sais quoi. Et donc, avec le multiculturalisme, on va bientôt arriver à nous dire, mais qui êtes-vous, vous, blancs, occidentaux avec votre impérialisme culturel, pour nous dire que le vaudou, ça n'existe pas, pour nous dire que Mahomet n'a pas envoyé de fusée dans la Lune bien avant les Américains, pour nous dire qu'on n'a pas marché sur la Lune. Là, et le dernier truc, sur cette histoire de marcher sur la Lune, moi, je me souviens que c'est très vieux cette histoire, et que c'est lié au drapeau qui flotterait ou qui flotterait pas. La première fois que je les ai entendus, c'était il y a très longtemps, et c'était plutôt dans des milieux d'extrême-gauche et d'ultra-gauche qui étaient anti-américains à mort. Et j'ai l'impression que ce qui précédait leur espèce d'analyse de doute, c'était un anti-américanisme. On disait aussi que les images de Tiananmen avaient été tournées en studio à Hollywood pour... Nier à la Chine. Les images de la Lune, c'était le réalisateur d'Orange Mécanique. C'était Stanley Kubrick qui aurait été commissionné par la NASA pour tourner en studio fermé les images de l'atterrissage du... Mais malheureusement, je suis... Vous y croyez, vous, Tariq ? Malheureusement, je suis d'une génération qui a entendu ça. Au zinc du bistrot, il y en avait qui vous disaient au début des années 70, les Américains n'ont jamais marché sur la Lune. Il y a même des cellules communistes qui disaient ça, sauf qu'on leur répondait que Gagarine n'avait jamais tourné sur la Terre. Ouais. Donc ces billevesées ont toujours existé. Le zinc du bistrot... qui a toujours existé, parce que c'était le tam-tam dans les villages avant, c'était les sorciers, c'était tout ça, ça a pris une dimension très différente avec les réseaux sociaux. Le problème, c'est qu'il y a aussi une histoire de QI, une histoire de formation. Comme disait Robert de Flers, n'étudie pas l'histoire, tu deviendrais réactionnaire. On n'apprend plus rien à l'école, donc on croit ce qu'on nous dit. Donc les gens sont sur TikTok, on leur dit la Terre est plate. Bon, excusez-moi, mais il y en a bien qui croient qu'en interdisant des voitures et en faisant des taxes partout, on va changer le climat. Est-ce que c'est fondamentalement différent? C'est la propagande. Ce que disait Cyril, il y a la différence entre ce qui est prouvé scientifiquement, la Terre est plate et on est allé sur la Lune. C'est un défaut d'esprit critique, c'est-à-dire que les gens ne sont pas suffisamment capables de se former une idée par eux-mêmes, en fonction de ce qui existe. Moi, ce que je crains lorsque j'entends toutes ces études-là, je crois que c'est surtout un moyen de justifier des censures, des trucs comme ça. Parce que, si vous voulez, c'est pas sorti par hasard, c'est que vous avez des journalistes, ce sont pas les États, ce sont les journalistes qui, souvent, disent, voilà, eh bien, il faudrait interdire telle parole, il faudrait interdire ceci. Alors, les lois mémorielles et tout ça, je pense que c'est pour justifier ce genre de choses. Il nous reste 10 minutes, il nous reste assez de temps pour venir là-dessus, sur les réseaux sociaux, la responsabilité des réseaux sociaux. Lou Vialet, vous n'avez pas parlé. Est-ce que vous croyez que la Terre est plate? Non, je pense que l'homme est de création divine, puisque ce chiffre-là, c'est 27% des jeunes, mais 71% des jeunes musulmans pensent que l'homme, d'une manière ou d'une autre, a été créé par une entité supérieure. Oui, j'ai l'impression que, de ce que vous dites, j'ignorais ce sondage, hein, mais qu'il y a une montée, une poussée de l'obscurantisme en France, notamment à travers des réseaux sociaux qui colportent beaucoup de fausses nouvelles, à la fois sur le plan scientifique, donc vous aviez parlé de doutes, en effet, de doutes qui se fondent sur la raison, sur des preuves scientifiques, et qui est bon, et ce doute-là semble un peu s'étioler, mais d'une certaine manière, ça va aussi avec une forme de
conspirationnisme, puisque on pense que si on n'est pas allé sur la Lune, c'est qu'il y avait un intérêt pour ça. On pense aussi d'ailleurs que s'il y a eu la guerre en Ukraine, c'était que c'était l'intérêt des Américains. Et je pense qu'il y a un lien, vous n'allez pas sur TikTok, mais je vois un lien entre l'obscurantisme et le conspirationnisme, et vous en êtes ici le représentant. L'obscurantisme et le conspirationnisme. Non, je suis tout à fait. Je dis courtoisement. Ce que je pense, en tout cas, sur le diagnostic, je n'ai rien d'autre à dire. En revanche, sur les débouchés que cela comporte, je pense qu'il y a des débouchés politiques qui sont gravissimes. C'est-à-dire qu'on va avoir une génération d'électeurs qui vont pouvoir être menés par le bout du nez sur n'importe quelle assertion, sur n'importe quel doute, qui ne se soit pas fondé sur des éléments rationnels. Et je pense que pour notre démocratie, pour l'avenir de notre pays, c'est tout à fait dangereux d'avoir ça et d'avoir des gens qui vont pouvoir ensuite voter en conséquence de leur délire. Ok, alors, il y a... Bien, il y a un point de vue là-dessus qui consiste à dire, en gros... Les réseaux sociaux ne sont, d'après eux, que des canaux qu'ils colportent tout et n'importe quoi. Bah oui, c'est ça, mais c'est toujours, ça a toujours été. Sauf que, non, c'est pas tout à fait vrai. C'était pareil, vous savez, oui, sauf que effectivement, on n'a jamais arrêté un bistrotier parce qu'il y avait un poivreau qui disait que je ne sais quoi. Mais en revanche, il y a une responsabilité des journaux, de tous les médias, sur ce qu'ils colportent. Et ils font régulièrement face aux tribunaux, par exemple, quand ils disent quelque chose sur une star et qui se révèle faux, voire très négatif pour elle. Or, les réseaux sociaux n'ont pas cette responsabilité. Est-ce que vous pensez que c'est une censure que de les rendre responsables, ou est-ce que finalement, ce serait les mettre au même niveau Ça dépend où vous vous arrêtez. C'est-à-dire que les réseaux sociaux, heureusement qu'il y a eu des réseaux sociaux pour dire que des femmes s'étaient fait violer à Cologne le 31 décembre, il y a 9 ans. Sinon, on ne l'aurait jamais su. Heureusement qu'il y a les réseaux sociaux pour dire attention. Oui, mais ça veut dire qu'un réseau social pourrait être attaqué en disant les femmes n'ont pas été violées à Cologne, et puis pourrait aller la tête haute devant un tribunal en disant voilà les faits, voilà la police, voilà les témoins. C'est un problème. Vous mettez le doigt, vous continuez dans la judiciarisation de l'information, des judiciarisations de la société. Donc vous pensez qu'ils ne doivent pas être responsables. Attendez, je vous dis, on n'a pas arrêté. Vous l'avez dit, on n'a pas arrêté un patron de bistrot parce qu'on disait autour de son zinc que les gens, Américains n'avaient pas marché sur la lune. C'est pareil. Avant Internet, il y avait quand même un fossé entre le café du commerce où on racontait n'importe quoi et la télé. Alors on pouvait penser que la télé c'était l'outil de propagande du régime à un moment ou tout ce qu'on veut. N'empêche qu'il y avait quand même un filtre et puis une espèce d'exigence de rigueur intellectuelle. Quelqu'un qui raconterait n'importe quoi à la télé serait démenti le lendemain, et à la fois par sa rédaction et puis par d'autres intervenants, d'autres intellectuels qui vous viendraient sur Internet. Il n'y a pas de ça. Y a mais pas où est-ce que vous vous arrêtez de me débat contradictoire. Quand même, il y a 3 ans. Le modèle de censure. Mais je suis d'accord avec vous. L'idée qu'on va censurer Internet, ça me fait très peur. Il y a déjà une censure qui n'est pas du fait de gens qu'on a élus, mais du fait des GAFA, et eux censurent. C'est-à-dire que le moindre mot sur l'immigration, on est dégagé parce qu'on est raciste, parce qu'on est islamophobe, parce qu'on a de TV Liberté. Je veux bien le croire, coupé pendant des semaines. Donc, absolument. Je ne crois pas que la solution à l'avenir ce soit la censure. En revanche, peut-être une plus grande exigence de certains médias qui sont réputés comme sérieux et qui ont acquis une réputation de sérieux, non pas parce qu'ils sont de service public, mais parce que on ne dit pas des énormités, ou alors on est démenti tout de suite sur la condamnation de certaines croyances sur le darwinisme, c'est une réalité. On n'est pas né d'Adam. Vous avez dit, dans les réseaux sociaux, il y a tout et n'importe quoi. Moi, je préfère dire qu'il y a le meilleur, il y a le pire et le meilleur. Il y a tout. Et c'est le prix de la vérité, ça, de toute façon. C'est le prix de la démocratie. C'est ça, la démocratie. C'est d'entendre tout. C'est d'entendre tout. Voilà. Et puis ensuite, le citoyen, responsable et rationnel, fait son choix. Mais vous n'êtes pas comme Lou Vialet, d'une génération qui croirait tout ce que... sachant que le deepfake va arriver. Hein. Vous savez que cette maîtrise tellement forte des techniques de vidéo et de son qui vont faire qu'on va pouvoir... mettre dans la bouche de quelqu'un des choses qui n'ont jamais été dites et créer des événements qui n'ont jamais eu lieu. Est-ce qu'il n'y a pas un souci ? J'ai quand même confiance dans la démocratie, j'ai quand même confiance dans le bon sens, j'ai quand même confiance dans nos citoyens, je pense, pour faire trier le bon grain et l'ivraie. Ce n'est pas à des flics de faire ça.
Voilà, c'est à l'opinion publique de le faire, c'est aux citoyens de le faire. Donc, voilà. Autrement dit, la censure qui s'exerce contre, on va dire, TF1, contre Le Monde, Le Figaro... Toute forme de censure, toute forme de censure. Ok, donc vous êtes un libéral libertaire sur ce plan-là. Sur ce plan-là, absolument, tout à fait. Moi, je ne mets, mets pas en parallèle, disons, la Terre plate et la Terre ronde, et je ne dis pas aux gens, choisissez, c'est ça la démocratie. Je pense que la démocratie, elle se fonde sur la raison, ou sinon, c'est n'importe quoi. Et c'est la place ouverte à n'importe quelle dictature de la folie. Que finalement, on ne va pas voter si la Terre est plate ou si la Terre est ronde. Parce qu'elle est ronde. Je ne mets pas du tout ça sur le même plan comme vous, par exemple. Ça ne me dérange pas qu'il y ait des gens qui pensent que la Terre est plate. Si c'est, écoutez, c'est triste pour eux, mais je dirais que moi, personnellement, ça ne passe pas par moi, ce genre de discours, c'est tout. C'est quand même un sujet. Est-ce que ça veut dire qu'en rentrant dans un isoloir, on va faire un questionnaire à tout le monde en disant « TikTok, TikTok », enfin, « TikTok », c'est pas le bon exemple, mais choisissez A, B ou C, est-ce qu'elle est plate? Est-ce que, vous voyez, les dieux ont créé l'homme et les pyramides, et puis, en fonction de ça, vous avez le droit de voter? Vous n'avez pas le droit de voter? Mais monsieur, est-ce que vous êtes démocrate ou pas? Est-ce que vous avez confiance est-ce que vous avez confiance dans vos semblables? Moi, j'ai confiance dans mes semblables. Okay. Je pense qu'à long terme... Ce genre de faribole ne tient pas, c'est tout. D'accord, et qu'il faut laisser passer. Vous n'êtes pas inquiet, Lou est inquiet sur le futur des générations. Éclairé et pas pour l'égalité entre. Par qui éclairé par la science, monsieur, éclairé par la raison. Éclairé par vous, peut-être, mais. Non, mais, je parle de la science, de la raison, de tout ce qui a permis la civilisation. De l'astronomie. La géométrie variable. L'astronomie, le fait que la Terre soit ronde, c'est la géométrie variable. Attendez, il y a 20 ans, on disait qu'il fallait pas avoir tel laissez-moi finir. Il y a 20 ans, on disait qu'il fallait pas avoir tel taux de cholestérol, et maintenant vous voyez les médecins vous disent qu'il faut faire plus bas. Donc qu'est-ce que vous voulez? On peut pas non plus du jour au lendemain. Galilée, il a été condamné parce qu'il avait dit que la Terre était ronde. Au bout d'un moment, on s'est rendu compte qu'elle l'était pas. Bon, très bien, mais je fais confiance à l'esprit critique des individus et de se faire une idée, à condition qu'effectivement toutes les opinions soient accessibles. Or, ce n'est pas toujours le cas. Qu'est-ce qu'une démocratie où l'esprit critique vaut l'esprit éclairé par TikTok? Qu'est-ce que c'est? C'est plus une démocratie. Non, mais attendez, si l'esprit n'est éclairé que par TikTok, effectivement, ça peut poser un problème. Mais vous n'allez pas censurer TikTok pour autant. Beaucoup de jeunes sont informés uniquement par les réseaux sociaux. Ils sont informés uniquement par les réseaux sociaux, peut-être parce que ils n'ont pas été à l'école suffisamment pour savoir qu'il y a des journaux, qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus. C'est ça aussi, c'est qu'il faut, c'est le travail des parents, c'est le travail de l'école, inciter les enfants à se faire leur propre opinion, mais étudier partout, s'ouvrir, il faut s'ouvrir l'esprit. Je suis désolé. Il faut je suis parler, désolé. C'est jusqu'au 19e siècle, les gens ne savaient pas lire et écrire. Oui. Voilà, on a fait des efforts là, dans ce sens-là. Les sorcières de Salem sont là pour prouver qu'à un certain moment, les gens deviennent dingues et brûlent ceux qui sont... Mais qu'est-ce que vous voulez? Le truc, moi, je suis très inquiet de dire, voilà, il faut interdire celui-là parce qu'il a dit quelque chose qui ne plaisait pas. Je suis désolé. Vérité en deçà des Pyrénées, erreur au-delà. On a raconté pendant des années des choses fausses. On a dit que c'était faux. Finalement, ça s'est avéré. Non, je suis contre, ça me fait peur, ces notions de censure. Moi, je suis d'accord, liberté totale d'expression et sur tous les médias, mais il faut qu'il y ait derrière... C'est-à-dire qu'on ne peut pas laisser le citoyen seul face à cette débauche d'informations sans lui donner les moyens de faire le choix. Et pour l'aider, je pense qu'il faut qu'il y ait quand même un consensus intellectuel sur ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas. Et des intellectuels un peu plus courageux qui s'engagent sur toutes ces choses, parce que faire confiance aux jeunes, à l'avenir, aux opinions, la tendance n'est pas à l'amélioration. C'est-à-dire, par rapport à ce qu'on a connu, moi, quand j'étais jeune, on n'avait pas des chiffres comme ça. 30% des jeunes qui remettent en cause des choses aussi, qui nous semblaient aussi acquises. C'est le problème des parents et de l'école. Oui, d'accord. La différence entre ce moment-là et maintenant, c'est l'éducation. Voilà. Donc, moi, je n'attends pas le salut des flics, j'attends le salut des profs. C'est autre chose, par l'éducation. Alors ça, on sera tous d'accord pour dire... Et l'éducation, c'est d'abord la tâche des parents. Hein, et je pense qu'on sera sauvés, en tout cas on progressera par l'éducation, pas par les flics. Jamais les flics. Ok. Allez, c'est la fin pour ce sujet. Merci beaucoup. Je vous avais annoncé que c'était un beau sujet et je vous avais annoncé que les opinions seraient divergentes. On a eu ce qu'on voulait. On va se retrouver dans 2 semaines. Mais on va d'abord aller faire un petit tour avec Ignace, qui est en train de crayonner comme un fou et qui a fini ses caricatures. On se retrouve dans quelques secondes. Je vais les voir et je vais les partager avec vous. À tout de suite.
Yeah, ça fait fort. C'est très bien. La première, c'est Macron. En jeune premier, il est toujours très, très, très propre. Hein. Macron insensible à l'ampleur des manifestations qu'il grève. Voilà. Bon, vous la voyez. Allez. BFM et TV Liberté qui s'insultent d'un canal à l'autre. Complotiste ! Ringard, disent-ils. C'est drôle. Moi, je pense, si je dois donner le prix, c'est celle-là. Hein. Mais de très, très loin. C'est le grand prix de la caricature, au moins pour cette fois-ci. Peut-être qu'on fera peut-être un jour un best-of. Allez, Zelensky, le Coluche ukrainien, c'est vrai en plus, lance un mouvement caricatif, les canons du cœur. Des armes, des chars, des avions donnés aux canons du cœur. Excellentissime, je la garde, je ne sais pas ce qu'on va en faire, mais on va en faire des 4x3 que j'irai mettre dans Paris moi-même. La Russie et l'Ukraine condamnées à une guerre propre parce que tous deux slaves. Alors celle-ci, je vais vous la laisser la relire parce qu'elle est très, 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 très bien. Mais elle se faut la lire. Jacques Georges, magnifique Jacques Georges, très, très jolie caricature de Jacques Georges. Jacques Georges contre cet engouement pour Zelensky, c'est trop spontané, ça manque de recul, on recule de 100 ans, je préfère rester hors d'OTAN, bah oui, bah non, c'est mal barré. Et Tariq, ah oui, il te fait de drôles de yeux quand même, hein, drôles de yeux Tariq, plus d'annuités pour les retraités, plus d'enfants avant tout. Oui, Tariq, il aimerait bien qu'on se reproduise. Écoutez, commencez par faire beaucoup l'amour et puis après vous ferez des enfants. Je vous souhaite un rendez-vous de bonne nuit, de chaude nuit pour accomplir les rêves fous de Tariq. J'en ai pas oublié, non, j'en ai pas oublié. J'ai peur d'avoir parlé que de ça. Non, tu n'as pas parlé que de ça. Allez, et puis il n'y a rien eu sur les croyances et tout ça, t'as pas eu le temps ? Virez-moi ça. Allez, on se retrouve dans 15 jours, on aura 4 beaux invités, on aura une belle actualité aussi, puisque la retraite, on a pris le développement où ce sera arrêté, on verra ça. Soyez sages ou pas, amusez-vous surtout, restez-nous fidèles, parlez-en autour de vous, et rendez-vous dans 15 jours.